Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Bonjour à tous. Au tennis, et comme dans tous les sports, il faut mettre à profit le fait de tomber contre un adversaire plus fort que soi. Nous allons voir ça ensemble. Il faut être centré sur son jeu et toujours croire que l'on peut gagner, tout en reconnaissant la valeur de son adversaire. Il existe deux cas de figure. On manque de confiance. On ne réussit pas à s'imaginer gagner. On est trop impressionné par l'adversaire et on espère juste faire un bon match. Très souvent, on a beaucoup de mal à entrer dans le match et on se prend 6-1. On va se mettre à niveau peu à peu, mais on a perdu du temps car on n'y croit pas suffisamment en entrant sur le court. Tout en étant lucide sur la forte valeur de l'adversaire, on ne le met pas sur un piédestal, on ne l'idéalise pas. Il faut juste être centré sur son jeu et toujours croire que l'on peut gagner. Et ce, dès le premier point du match. Y croire dès le début du match est la seule façon d'avoir une chance de l'emporter. Ce qu'il faut retenir pour appréhender un match face à un adversaire plus fort. S'imaginer gagner. Et enfin, avoir confiance, quel que soit l'adversaire. J'ai confiance en moi. Qui que ce soit en face de moi, je ne pense qu'à une chose, la battre.